Moi, j'ai l'impression qu'elle est pas nette. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'elle est super dangereuse. Et si tu veux un conseil, bourré d'intelligence, ne touche pas à cette femme. Non, je suis navré, les enfants. Je ne suivrai pas votre conseil. Pourquoi? D'abord, est-ce que vous l'avez bien regardée? J'avais les yeux cernés. Elle était belle, moi grotesque. Devant elle, je me suis presque prosterné. Une femme si dangereuse, le genre qu'on garde enfermé. Elle aime les mauvais garçons, le drame. Il n'est concerné que par les gros montants à la cam. Ne te laisse pas berner par son sourire, ses airs de gendarme. Elle fait interner les hommes rendus fous à coups de cœur brisés. Victimes qui ont cru que son amour peut s'éterniser. Je préfère miser sur une seule nuit pour la faire giser. Sous une histoire éphémère, car j'ai le cœur supervisé. Pas de roman à l'autre rose pour moi, car je préfère baiser. J'suis pas le genre de mec qui s'adoucit pour se faire niaiser. Alors je lui dis, j'aime bien comment tu danses, les yeux pleins de désir. Donc elle dit, je sais bien à quoi tu penses, si je peux te faire plaisir. Ah ouais, combien tu coûtes? Elle me chiffle et me répond, j'suis une danseuse exotique, pas une pute, espèce de cran. C'est pas une pute, c'est une danseuse exotique qui m'a charmé trop vite. C'est exotique. Qui quoi? Qui m'a eu trop vite. Va pas croire qu'elle ne t'aura. Après l'avoir calmé, je l'ai séduit. Me suis-je trompé sur son cas borné? Je l'ai réduit au statut des vergons déformés. Dans cet étui qu'on appelle le quartier, chargé de pas te laisser fuir. J'espère que toutes ces questions que je me pose vont me laisser jouir de son corps extra chaud sans toutefois me laisser cuire. Est-ce une vipère au sang chaud ou une femme juste insécure? Je vais le savoir dans quelques secondes. Sa main sur ma ceinture, je lui dis on s'en va à l'hôtel. Elle me répond, oui, ça c'est sûr. Sur le chemin, me raconte sa jeunesse, sa vie qui est assez dure. Avec une larme sur sa joue, son charme devient si pur. Comment maintenant lui faire l'amour sans âme et sans futur? J'essaie de garder mon sang glacé, j'ai pas assez proche de l'embrasser. Mais tes becs, ce serait déplacé. Je l'aime bien, je me sens menacé. Je suis un coureur de jupons, mais elle me donne envie de me caser. Mais je me rappelle de ces hommes avant moi qui ont eu le cœur cassé. C'est pas une pute, c'est une danseuse exotique qui m'a charmé trop vite. Dis-moi, est-ce qu'elle m'a embrassé? C'est exotique. Qui quoi? Qui m'a eu trop vite. Finalement je suis pas si fort, j'ai succombé à son charme. Et puis si l'amour est une guerre, cette créature a son arme puissante. Avec ses courbes cuissantes, mon cœur s'enflamme. Pour cette beauté qui apaise mon stress, je me sens calme. C'est le matin, je suis à peine réveillé, sourire aux lèvres. Mais je ne sens pas sa peau douce frotter sur ma peau raide. Elle doit s'être levée avant pour faire un café au lait. Mais j'entends le son de la douche, elle est propre et ça me plaît. Alors je me lève, il faut que j'aille la rejoindre. J'imagine déjà l'eau perlée sur sa peau, c'est une image à repeindre. Je vais à l'encontre de mes principes, mais je n'ai pas à me plaindre. Le scénario de l'amour est dur et je n'ai pas à le craindre. Jusqu'à temps que je découvre l'intérieur de la douche vide. Vite ramasse ma paire de jeans et mes poches sont tous vides. Merde, elle m'a eu comme un bleu. Mais étrangement, je suis pas fâché car une femme de son genre vaut le dérangement. C'est pas une pute, c'est une danseuse exotique qui m'a charmé trop vite. Dis-moi, est-ce qu'elle m'a embrassé? C'est pas une pute, c'est une danseuse exotique. Qui quoi? Qui m'a eu trop vite. Va pas croire qu'elle ne t'aura pas. Ce que je peux te dire, moi, c'est que ta queue te foutra un jour dans un beau merdier.